quand on dort, pour se protéger du froid, on dort assis l'un dans l'autre, c'est-à-dire qu'on se serre l'un contre l'autre parce qu'on sait que si on veut vivre, il faut qu'on profite de la chaleur de l'autre. On a 4 ans et demi et 6 ans à peu près. On est en fait abandonné dans ce home d'enfants. Et ma mère, n'est pas venue, qui nous avait mis dans ce home d'enfants, n'est pas venue nous rechercher. On est élevé par les bonnes. Et un jour, mon frère, Patrice, pousse la porte et trouve l'homme propriétaire de ce home d'enfants pendu. Premier réflexe, il tire une table, il monte sur la table, il essaye de couper la corde. Avec le poids, cet homme tombe. Et à ce moment-là, il y a une mare de sang sur le sol. Donc, il regarde ça éberlué. Il se dit, j'ai fait quelque chose de grave. Donc, il m'attrape et il me dit, viens, on court, on s'enfuit. Et on part, on court, on va se cacher à 1 kilomètre ou 1,5 kilomètre en dehors du village, on se cache. Petit à petit, on va finir par se cacher dans un bois. Et là, bien évidemment, il faut que personne nous trouve. Donc, on commence par se cacher dans un roncier. C'est très difficile parce que, au bout de 2 jours, on meurt de faim. Donc, on va commencer à manger des escargots, des limaces, des insectes. Mais par force, parce qu'il faut bien qu'on mange quelque chose. Mais l'adaptation va se faire très, très vite. On arrive à attraper des mulots, attraper un lapin. Et Patrice, à un moment donné, prend le lapin par les oreilles et le claque contre un arbre. Je pleure. Il me dit, il faut qu'on mange. Moi, je suis un peu MacGyver, donc je sais tout faire de mes mains depuis toujours. Et Patrice est la débrouillardise faite enfant. Hein. Il me trouve tout ce que je lui demande. Et à partir de là, on commence notre vie dans la forêt et on s'est adapté à notre environnement. La question que les gens se posent, c'est comment ça se fait qu'on ne vous a jamais trouvé ? Et je suis obligé de répondre parce que personne ne nous cherchait, parce qu'on n'existait pour personne, parce qu'on n'avait pas de parents, aucun lien avec personne. On s'arrange pour se fabriquer notre vie entre nous. On devient totalement fusionnel, c'est-à-dire pire que des jumeaux, parce qu'on a une obligation de survie. Cette obligation de survie, c'est le grand frère qui s'occupe du petit frère, c'est l'obligation d'être ensemble, et jusqu'à même une fusion physique, parce que quand on dort, pour se protéger du froid, on dort assis l'un dans l'autre. C'est-à-dire qu'on se serre l'un contre l'autre parce qu'on sait que si on veut vivre, il faut qu'on profite de la chaleur de l'autre. Ça va créer une relation et peut-être un amour au-delà de la norme, on va dire. Est-ce que vous pourriez dire que votre frère vous a sauvé la vie d'une certaine façon ? Oui, bien sûr qu'il m'a sauvé la vie. Il m'a sauvé la vie parce que quand moi j'étais tout petit, j'avais 4 ans, 4 ans et demi ou 5 ans, lui à 7 ans ou 7 ans et demi, il a déjà beaucoup plus de maturité, il porte cette responsabilité. Donc il a porté toute sa vie ce problème de cette histoire, il a porté le fait de s'être occupé de son frère et en fait d'avoir tout porté sur ses épaules quant à la survie de son petit frère, sans parler du problème de l'affect, du fait de ne pas avoir de père, de ne pas avoir de mère, de ressentir en permanence que je ne suis rien pour personne. Je n'existe que pour moi et mon frère, c'est tout.